D'Artagnan. Radio D'Artagnan. Bonjour, c'est Corinne. Vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio D'Artagnan. T'en veux encore? Alors écoute Radio D'Artagnan tous les mercredis. Je dis stop aux mensonges et aux arnaques. C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque. C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio D'Artagnan, j'aime. Bonsoir à toutes et à tous et retour en 2020 pour l'émission Partir dans les découvertes de Radio D'Artagnan. Bonsoir Solène. Bonsoir Corinne. Bonne année. Bonne année. On ne s'est plus depuis. Oui, mais... heureusement. Et bonne année à nos auditrices et auditeurs de l'émission. Oui, les Partir fidèles. Dans les découvertes de Radio D'Artagnan. Et pour bien commencer l'année, parce que c'est le cas, hein, j'ai bien écouté et tout. Ouais. On va très bien commencer l'année puisque notre invité de ce soir, 18h-20h, c'est Eddy Capot. Et pour le faire découvrir à nos auditrices et auditeurs, on va écouter un tout premier morceau avant de l'avoir en direct par téléphone. Tout à fait. Alors, tu as choisi quoi, Solène? Just a Pawn. Allez, on y va tout de suite. Eddy Capot, c'est notre invité de ce soir. Show and nothing really upsets you. She dances naked and goes away. Her soul is confused. Her girls are pretty and also friendly. Looks so innocent. Bereft of beauty, she sees a new disfunction that belongs to the other one to do. But God designed the one she shows. You only find his day. Kept your weakness, the one she knows. And call me pain. Are we just a pawn? And even if you hide it on the cross today, I'm coming to find you. I can't believe it. The one who said books, never open one. Shoot for breath first and stand reflect. Spend your time entertaining. Don't be surprised when you tell the truth. Awful Disney against many to harm you. It is a lazy to turn off the brain and you can find food switch. Just try to wake up. I'm coming.
bit more insane. I think it's time, my friend, rising hills of again. Put your ego aside and cheers to the crowd of the gathering truth. Some people say it can break your chest, but it's still a dumb sign. It takes a life and it makes you play. Just a Pawn, Eddie Capo, notre invité de ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes de Radio D'Artagnan, la première de l'année. Oui, tout à fait. Bonsoir Eddie. Et salut. Bonsoir. Comment vas-tu? Tous les auditeurs. Comment ça va? Ça va, on a... il y en a un temps pas terrible. Pas... peut-être pas assez de travail, tiens, j'aimerais bien bosser un peu plus, mais sinon ça va, ouais. Le moral est là. Bon, si tu manques du travail, on a du travail, nous, à Radio D'Artagnan, si tu veux. Ah bon? Ouais. Ouais. Si ça te dit. Oui, oui. Ah oui, mais bon. Est-ce que c'est du travail déclaré, tout ça? Ah oui, oh là là, oh, oui. Attention. Alors, en plus, en le disant à l'antenne, à l'écoute de tout le monde, oui, c'est bien déclaré, vous inquiétez pas. Voilà. Il commençait bien, Eddie. J'entends le rire d'une autre femme, là. Qui est sur, présent sur le plateau, là? Alors, sur le plateau, ben voilà, les deux mêmes, Corinne et Solène. Voilà. Corinne et Solène, d'accord. Voilà. J'ai entendu parler de vous, c'est, enfin en bien, hein, ouais. D'accord, je visualise, d'accord, super. Merci de me recevoir, je suis très content d'être avec vous les filles. Eh bien nous aussi. Nous aussi. Oui. Surtout pour démarrer l'année 2020. Eh oui, je suis le premier invité alors, c'est ça? Ah oui, c'est première ça. Émission. Le tout premier, ben, je suis, ouais, content. De 2020. On te souhaite d'ailleurs une très bonne année, Eddie, et beaucoup de travail alors. Ah ouais, beaucoup de travail, ça serait bien. Ça, c'est, j'ai besoin. Comme célibataire endurci, il faut que je me noie dans le travail là. En plus, bon, eh ben, alors 2020, plein de travail et plein de femmes. Voilà. Voilà, c'est ça. Hein? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Eddie, on va te demander de te présenter, si tu veux bien, à nos auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan qui te découvrent ce soir, si tu veux bien. Eh bien, je suis plutôt beau gosse, j'ai 35 ans. Je vis à Paris maintenant, en colocation avec un pote à moi, plutôt beau gosse aussi. Il nous écoute, là, il est juste à côté, il nous écoute en direct. D'accord. Et je lui passe le bonjour. Et donc j'ai fait, je suis guitariste, alors quelqu'un m'a sorti ça la dernière fois, mais c'est vrai, on peut le dire, guitariste professionnel. Puisque je suis intermittent du spectacle, c'est mon métier maintenant, voilà. Oui. Et ça fait bizarre de le dire comme ça. Non, voilà, je fais de la guitare acoustique accompagnée d'un harmonica et j'essaye de faire de la musique comme avant, comme dans les années 70 où les morceaux étaient bien. Voilà, la musique était cool. Oui. Mais ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps, voilà. Oui. Alors, guitariste, tu dis, et harmonica et chanteur quand même. Et oui, chanteur, ouais. Faut... J'ai oublié de le dire, chanteur. Oui, ouais. Chanteur et je sais pas si je suis quoi, Antoine, bariton, qu'est-ce qu'on peut dire
Et on n'a aucune idée. Non, voilà, la voix un petit peu grave parfois et la voix un peu aiguë, j'arrive à... J'ai de la chance de pouvoir faire un peu les deux, ouais. Un petit peu grave et un peu aiguë. Non, 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 non. Ouais, comme ça, un petit peu. Ah oui, il fait les vocalises. Ouais. D'accord. Alors, si tu devais définir ton univers, t'es plutôt basé rock, pop-rock? Allez, on va dire folk, puisqu'on parlait d'un petit peu comme à l'époque. On va dire folk, oui, on peut dire complètement folk, guitare acoustique. Ouais, j'aime bien ce côté pas branché, à l'ancienne, organique. Pas comme avant. Après, pop, oui, allez, pop folk, on va dire. Parce que rock, non. Mmh. Non, pas vraiment. Pop folk, j'aime bien cette idée-là, ouais, on peut dire ça. Pop folk. J'essaie de faire des morceaux, des compositions qui restent un peu dans la tête, qui tournent comme ça, et que l'on peut garder, que l'on peut. Ouais, qui peuvent être rassurantes, quoi, des morceaux pop, ouais. Alors, guitariste, chanteur, bon, tu fais des spectacles, je suppose, un petit peu acoustiques. Est-ce qu'il y a longtemps que tu es dans la musique et dans la chanson? Alors, je suis dans la musique et dans la chanson. J'ai commencé la guitare à 19 ans, c'est plutôt tard, tu vois, dans l'idée. Mmh. Et après, ouais, j'avais envie de commencer la guitare, je m'y suis mis, je suis tombé complètement... dans le piège, on peut dire ça comme ça, dans le joli piège de la musique. Mais déjà, des années auparavant, je faisais en sorte. C'est comme ça, quoi. Je faisais un peu de beatbox déjà. J'avais le rythme un peu dans la peau, comme ça. La musique m'a toujours plu et a toujours été très importante dans ma vie. Elle est un peu moins maintenant, on va dire. Mais à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique tout le temps. Et je faisais du beatbox. Donc ça m'a fait travailler mon oreille un peu, quoi. Ça m'a fait travailler l'oreille et on peut dire que je ne suis pas le guitariste le plus technique, ça c'est sûr, mais par contre je peux facilement relever un morceau à l'oreille, ouais, comme ça. Et par conséquent, quand on compose, c'est un peu plus pratique aussi. Ouais. Est-ce que tu faisais partie au départ d'un groupe peut-être, ou comment tu es venu à chanter et faire de la guitare tout seul après? Oui, c'est une bonne question. Je travaillais dans une boutique, je sais plus où c'était, et je faisais rien du tout. J'avais ma guitare à la maison, un petit peu, c'est tout. C'était le tout début, et quelqu'un venait me voir pour me demander si je jouais de la basse, et j'ai dit non, mais je chante, ce qui était un peu vrai, on va dire. Et ça a démarré comme ça. Oui, je me suis retrouvé dans un groupe de quatre qui s'appelait les Marshall. Et je suis devenu chanteur comme ça, et après le guitariste rythmique est parti, je me suis acheté une guitare électrique, mais déjà ça faisait un petit moment que j'en faisais, et on est quoi, deux ans après, et puis j'ai relevé tous les morceaux de notre setlist, et je les ai relevés à la guitare, et je leur ai dit, ben regardez, je peux tenir la place du guitariste rythmique, voilà. Et après tu as voulu te lancer tout seul, en solo? Ça s'est venu récemment, quoi. C'est à force de scission et de problèmes de caractère avec les gens avec qui j'ai joué, je me suis retrouvé tout seul, et c'est très bien comme ça. Je me retrouve en orchestre un petit peu maintenant, seul, ouais. Et à moins que j'ai une scission avec moi-même, ça fait un duo. Voilà, c'est ça. J'étais dans un duo acoustique il y a quelques années là, et il y a deux ans déjà que c'est fini, quoi. Et maintenant je suis tout seul, voilà. Ça se passe, c'est cool, je suis content, quoi. Je suis content, c'est très bien. Alors, je m'engueule un peu avec moi-même parfois, mais ça va, ça passe, quoi. Ouais, mais il faut, hein. Ouais. Il faut, ça remet les idées en place, de s'engueuler un petit peu, et puis après ça repart. Voilà. Hein, je suis pas toujours de bonne compagnie, mais voilà. Ah bon? Oh là là. Alors, il vient de dire qu'il était célibataire, 35 ans, ouais. et pas de bonne compagnie. Pour moi-même, je veux dire. Ah bon, ouais, d'accord. Ouais. Bon, heureusement que tu te rattrapes. Voilà, c'est ça. Non. Alors, tout seul maintenant, ça veut dire que tu composes et que tu écris tes propres chansons? Oui, c'est ça. Je compose, j'écris mes propres chansons. Je suis... c'est pour ça que je disais que j'étais pas toujours de bonne compagnie pour moi-même. C'est que je suis assez dur envers moi-même et envers les autres, Marc. Hein. Tu me diras, il n'y a pas énormément de choses qui me plaisent. C'est français, ça, en syntaxe ou pas? Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me plaisent. Oui.
Et musicalement, et je sais ce que je veux pas faire et par conséquent, je me retrouve à rester longtemps sur une compo. Bon, on écoutera peut-être la toute dernière, quoi, d'ailleurs, oui. que je t'ai envoyée. Oui. Et ouais, j'ai passé beaucoup de temps et je suis content, ça y est, je suis arrivé au bout. Et voilà, j'essaie de faire un truc à la fois surprenant, à la fois pop, comme tu disais tout à l'heure. Oui. À la fois, j'essaie de brouiller les pistes entre intro, couplet, refrain, fin, tu sais, quoi, qui est très classique sur la pop. J'essaie de brouiller ces pistes-là. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que je compose, quoi. Ça prend un peu plus de temps, ouais, par contre. Alors, est-ce que tu prévois de faire un EP, un album? Je sais pas, vous avez peut-être remarqué les deux que les codes changent un petit peu, que j'ai sorti un EP là, on a écouté juste avant un morceau qui est dessus, donc qui s'appelle Home Alone. Et maintenant, je sais pas si je referai un EP avec une nouvelle compo, j'en sais rien, je me tâte un petit peu. Parce que maintenant, les gens sortent les morceaux, font un clip et boum, ils balancent ça sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Après, oui, ce qui est bien avec l'EP, c'est que tu peux le vendre lors des concerts. C'est vrai que c'est pas à négliger, mais je sais pas, je sais pas trop, je suis un petit peu entre les deux là. Je me suis pas décidé, on va dire. Alors, tu as dit un EP, tu l'as sorti quand, cette EP avec Home Alone? Je l'ai sorti, janvier. Je l'ai sorti l'année dernière. Vous m'entendez bien, en fait, parce que je suis en train de parler dans le micro des écouteurs, vous m'entendez bien? Si, impeccable. Très bien. Mmh. Impeccable, très bien, merci. Je l'ai sorti l'année dernière, et je sais plus, au mois de juin, je crois. Et voilà, il fait 6 titres et on peut le trouver sur Bandcamp un petit peu. Sur Bandcamp, c'est un site internet qui fait que si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter en ligne. D'accord, tu l'as pas édité en physique? Si, je l'ai en physique aussi, oui. Si vous voulez je l'ai en physique aussi, mais il m'est arrivé d'en envoyer par la poste aussi. Ça me fait toujours beaucoup rire, un petit peu comme à l'ancienne, mais j'aime bien. J'aime bien cette idée-là, quoi. D'envoyer deux EP achetés, le troisième gratuit. C'était pour les fêtes de fin d'année. Là. Non, c'est pas vrai, mais j'en glisse toujours un de plus, en tout cas. Bon, mais si en début d'année, on le veut quand même, il suffit de quoi? De t'écrire via Facebook, un site internet? Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas à hésiter. Je suis beaucoup sur YouTube maintenant, mais je mets toutes mes vidéos, que ce soit les compositions, les reprises. Je fais aussi des tutos. J'aime bien faire ça, des tutos de chansons qu'on a du mal à trouver, des tutoriels, tu sais, qu'on a du mal à trouver sur YouTube. Alors c'est des chansons toujours un petit peu spéciales. Et voilà. Et puis si on veut me trouver sur Facebook, c'est Eddie Capo. Il faut chercher une page. Et sur Instagram aussi, Eddie Capo Musique, enfin, on me trouve rapidement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? YouTube, Tinder, Tinder, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi... je crois que j'ai fait le tour. Hein, ouais. Ben oui. Ouais, les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu as un site internet? Non, je n'ai pas de site internet, non. En même temps, ça marche beaucoup moins, c'est avec Facebook, ouais, Insta, voilà. Oui, les gens, ils préfèrent aller là. Ouais, c'est pratique. Tu tapes le nom de l'artiste, tu tombes de suite. Tu tombes de suite sur tout ce qui tourne. Ouais. C'est tout ce qu'on fait. Ouais. Alors, Eddie Capo, Eddie E2DY, hein, normal. Comme et Capo, Mitchell. Ouais. Et Capo, c'est CAPO. C'est tout simple. C'est ça, comme le capot de la voiture sans le T, quoi. Et, oui, ouais, ce que j'allais dire, parce que là, voilà, t'allais faire une faute d'orthographe. Ouais. Bon. Encore que ça s'écrit avec un T, le capot de la voiture. Oui, tout à fait. J'ai vérifié. C'est ça, d'accord. Ouais. D'accord. Ça reste un capot de voiture quand même, hein. Même si tu mets pas de thé. Bon, alors... Je vais le vérifier. Ouais. Tu nous as envoyé ta toute dernière chanson. Ça veut dire que tu as composé et écrit d'autres chansons après cette EP, Eddie? Exactement, oui. C'est exactement ça. J'en ai composé combien? 3 depuis que l'EP est sorti. Trois nouvelles chansons qu'on peut trouver sur YouTube, bien sûr.
Et ben, la toute dernière, elle a été, j'ai envie de dire comme les autres, elle a été produite à la maison, avec mon colocataire qui s'appelle Antoine Le Rebourg, qui a une radio concurrente, non mais c'est une web radio qui s'appelle Brit Sky Radio. Il fait il fait aussi du mix, quoi. C'est lui qui m'enregistre, on enregistre dans sa chambre parce qu'elle est un peu plus calme. Oui. On habite Paris, je vous rappelle. Oui. Et donc on enregistre ça dans sa chambre et avec des très bons micros, et puis on envoie comme ça, quoi. Et en mode acoustique comme à l'époque, quoi. Un petit peu avec une production comme Neil Young, mais à toute proportion gardée, bien entendu, puisqu'on est dans sa chambre. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup, hein, les chanteurs avec guitare, voilà, l'acoustique revient beaucoup, hein, autant pour les concerts que pour les albums, voilà. Ouais. C'est vrai. Après, je vois pas trop de trucs qui tournent, mais j'ai l'impression, hein, que c'est... j'espère faire... Tu veux dire le sentiment d'acoustique, ce côté calme, on redescend un petit peu, il y a moins de beats électro, moins de... Ouais, c'est vrai. On en découvre pas mal de chanteurs, et c'est beaucoup guitare-voix, et puis après, voilà, ils font le tour des bars, des scènes par-ci, par-là. Voilà, guitare-voix en acoustique, et ça passe très bien. Ouais, c'est ça, ouais. Ça passe très bien, ouais. Les gens me le disent parfois, ouais. Mais c'est plus cool, c'est plus tranquille. Oui. On n'est plus sur du Lara Fabian qui gueulait dans les années 90. Là, on est passé à autre chose. Mais encore, j'aurais pu dire Céline Dion aussi. Hein. Céline, bonjour, c'est Céline. Enfin, là, tu t'attaques à de belles voix, hein, et d'excellentes chanteuses, je dirais, parce que ma foi, hein, c'est à la carrière de Céline Dion et Lara Fabian. C'est le haut du panier, ouais. Après, c'est con qu'elles aient fait beaucoup de merde, mais elles ont des voix magnifiques, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est des... Ouais. Là, tu dis bonjour, c'est Céline Dion. Je passe la vengeance sur la radio. Bon, allez, Eddy, on en a parlé tout à l'heure, parce que le titre de ton EP, c'est quoi? Le titre de l'EP, c'est Home Alone. Eh bien, voilà. Tu sais où je suis allé chercher ça? Ça veut dire seul à la maison, en anglais? Ouais. Je suis allé chercher ça, c'est le titre anglais de Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Ça vient d'un ressentiment du dimanche soir, cette sensation qu'on a tous ou pas, d'ailleurs, je sais pas si tout le monde a ça, mais le fait que la semaine se termine, t'as ce sentiment de cafard comme ça, et puis tu passes, et puis tu sais qu'il y a école le lendemain, ou il y a boulot, ou il y a... il y a tout plein de choses, et voilà, c'est un peu de ça dont ça parle, quoi. Ce ressentiment-là. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Avant, je vais te lire un petit message qu'on a reçu de notre pur nouveau talent, notre petite Morgane, qui a à peine 12 ans, qui chante très bien, et qui te dit « Bonjour Eddy, c'est une très belle chanson ». C'était la première, « Just a Bone ». On était embarqués, on avait comme l'impression de se retrouver embarqués dans un bar au Texas. C'est vrai, ça donne cette impression. Ouais. Tu vois, toi qui disais acoustique, tranquille, voilà, tu vois. Oh, mais c'est trop mignon. En plus, ça lui est un petit peu destiné, cette chanson, à Morgane, qui a 12 ans. Parce que ça parle, il faut faire attention à ces stars là qu'on nous vend, comme les Rihanna, comme les Madonna, qui sont pas des gens bien, quoi. Qui prônent des trucs un peu salaces, un petit peu, tout ça. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est... Et j'espère qu'elle n'écoute pas ça, la petite Morgane, et qu'elle écoute plutôt des trucs qui... Comment dire? Où les paroles sont un peu plus... morales, je dirais, voilà. Ouais, elle écoute... bon, en même temps, elle est à bonne école, Morgane, avec nous. Et elle écoute de la très bonne musique, et surtout de la musique française. Voilà, elle écrit Morgane, mais elle va être d'accord avec moi. Voilà, beaucoup de chansons françaises et à texte. Voilà. Mais qu'elle n'hésite pas à nous dire qui elle aime bien, Morgane, et on l'embrasse, j'imagine, c'est mignon, c'est bien. Voilà, Morgane, elle est en train d'écrire, t'inquiète pas. Alors, Eddy, on va écouter tout de suite Home Alone, et puis on revient avec toi de suite après, tu raccroches surtout pas, hein. Voilà, et nous, on va faire travailler nos auditrices et nos auditeurs. Mais oui, tout à fait. Eh oui, parce pour que démarrer l'année. Mais oui, si vous voulez passer un petit coucou à Eddy ou lui dire ce que vous pensez de ses compositions, il suffit d'écrire un petit message à Corinne Radio d'Artagnan sur son Facebook, et elle le lira en direct comme elle vient de le faire. Tout à fait.
Je le lirai en direct. Sur ma page Facebook, c'est ça ? Oui, sur ma page Facebook, ouais. Et d'ailleurs, tu as un petit message de Anne. D'ailleurs, Anne, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année. Et puis, c'est grâce à Anne voilà, que tu es avec nous ce soir. Exactement. Voilà. Elle a de très bons goûts, Anne, question chanteur. Et voilà. Et je la remercie voilà, de faire appel à nous et de nous passer les chanteurs sur Radio D'Artagnan. Voilà. Ah super, on l'embrasse très fort Anne, et c'est vrai que c'est grâce à elle que je suis là ce soir. Un tout peu à grâce fait. À ma mère aussi, sinon je serais pas là tout court. Mais... Oui, oui. Mais là... non, je suis obligé d'envoyer un clin d'œil à ma mère, sinon je me fais engueuler à chaque fois. Ah bon, ouais. D'accord. Et, voilà, c'est fait. Et non, on embrasse Anne très fort, c'est clair. Oui. Ça rigolait à côté, je sais pas, mais bon. Oui, ça rigole, mais en... Un peu après, tu sais, non, il a un décalage parce qu'il écoute l'émission en direct. Ouais. Je sais pas à quoi il rigole par contre, du coup. Bon. Allez, on écoute tout de suite Home Alone et on se retrouve juste après Eddy. Ah, super, merci.
Capot, notre invité de ce soir sur les ondes de Radio D'Artagnan, Home Alone, très belle chanson. Magnifique. Oui. Mm-hmm. T'es toujours là ? Merci les filles. Oui, je suis toujours là. Ouais. Je t'en prie à dire, t'es magnifique cette chanson. Ouais. Tu aimes bien ce chanteur qu'on diffuse ? Non, je l'avais pas entendu depuis longtemps. On a rigolé avec mon coloc là, qui est à côté. Là. Ça m'a fait rire, j'étais content. Bon. Ouais. Alors, Eddie, ce que je remarque dans toute la liste des chansons que nous diffusons ce soir, que nous allons diffuser, elles sont toutes en anglais. Ça veut dire que tu ne composes, que tu écris qu'en anglais ? Oui, je n'écris qu'en anglais. J'ai commencé un léger texte en français l'autre jour, un petit peu dans la veine toute proportion gardée d'Alain Souchon. Dans cet esprit-là un peu, et puis l'ordi a planté, j'ai perdu le texte. Bon, si j'en dirais. C'est hyper dur de composer, d'écrire en français en ce qui me concerne. Donc, comment dire ça sans être vexant, c'est que j'entends un paquet d'artistes un peu comme moi qui jouent de la guitare acoustique qui écrivent des textes en français. Des fois, je me dis, non, je préfère m'abstenir et écrire en anglais, faire la même chose, mais être en anglais. Tu vois, en anglais, il suffit de raconter une histoire sans... Bon, je mets des petits trucs alambiqués un petit peu, je mets des effets de style, mais rien de bien méchant. Et comme c'est en anglais, ben, ça passe. Voilà. C'est un petit truc... On dirait que c'est fait pour ça. De toute façon, c'est fait pour ça. Hein. La pop, voilà. Mmh. Avec l'anglais, ça passe tout seul. Mmh. Et non, j'ai pas du tout les capacités pour écrire en français. Pas pour l'instant encore. Malgré le fait que je lis, je me mets tout doucement à la poésie, même si j'ai un peu de mal. Je la comprends pas vraiment, mais apparemment il faut la ressentir. Je comprends les bons mots, si tu veux, mais la poésie pure et dure, j'ai un peu de mal, quoi. Je sais pas ce que ça vous le fait à vous, les filles. Vous lisez un peu de poésie, un petit peu, parfois? Oui. Oh, moi ça fait bien longtemps que j'en ai pas lu. Ah oui. D'accord, mais vous voyez, enfin, voilà, c'est un peu cet effet-là. Je me sens pas encore les armes pour écrire en français. Je trouve ça très dur. Je peux écrire des chansons. J'ai déjà écrit des textes, mais c'était plus dans le domaine humoristique, et ou alors j'ai écrit une chanson sur la fille d'un ami en imaginant qu'elle faisait partie d'un dessin animé. Donc j'ai créé les paroles dans ce sens-là, quoi. J'ai créé un générique de dessin animé pour elle, quoi, pour lui faire plaisir, et puis je me suis fait plaisir aussi, quoi. Je voulais faire cet exercice depuis longtemps. Donc là, il y a un texte en français, effectivement. En même temps, voilà, les bandes dessinées, comme on dit, ou les dessins animés, t'as l'exemple, tu vas aimer d'ailleurs cette chanson, j'en suis persuadé, Libéré, délivré, voilà, qui a fait un grand tube. Beaucoup, hein. beaucoup. Non, mais j'aime bien en plus, c'est vrai. Je faisais partie d'un duo avant, on l'a joué quasiment tous les concerts, et les gens étaient contents, et puis ils ont commencé à plus être contents du tout, parce qu'ils ont fait overdose, mais je l'ai connu après cette chanson. J'ai pas d'enfant, donc j'ai pas eu l'overdose comme ça. Oui. Et oui, je l'aime beaucoup, je la trouve bien orchestrée, elle est super bien foutue, c'est sympa comme tout, ouais. Toutes les musiques, hein. Anaïs Delva, si je ne m'abuse. Ouais. Comment ? Anaïs Delva, oui, c'est vrai. Anaïs mais Delva, ouais. Toutes les musiques, hein, les chansons des dessins animés, elles sont fabuleuses, hein. Ah, mais moi, je suis fan. Ah oui, mais moi aussi. Je suis très fan des bandes annonces, pas des bandes annonces, comment on dit, des génériques des dessins animés. Oui, plus générique des années 80, je suis né donc en 84, plus dans les années 80, oui, que par exemple les chansons Disney. Disney, moi j'ai beaucoup de mal, je trouve que pareil, je trouve leur texte, je trouve leurs chansons et leurs clips, si on peut appeler ça comme ça, un peu déviants, donc je préfère rester sur les dessins animés des années 80, 90 et 2000, hein, même. T'écoutes le dessin animé Pokémon, elle est magnifique, la chanson. Ah oui, je la connais par cœur aussi. Ah oui. Pardon. Tu peux chanter sur la neige avec Eddie ? Non, je n'oserais pas. Bon, d'accord. Ouais, mais il faut connaître les paroles aussi. Ouais, mais je passe bientôt dans une autre radio, mais je serai présent là, qui s'appelle Radio Nid. C'est une web radio, si on peut dire comme ça. Et je leur fais un quiz, ça sera le 20 janvier, je leur fais un quiz à la guitare.
Et j'ai relevé plein de vieilles séries, comme, du coup, je vais pas les dire, mais remarque, c'est la deuxième édition que je leur fais. J'ai fait une première édition où j'aurais fait dessins animés années 80, 90 et séries TV américaines aussi. Et je me régale à la guitare, juste à la guitare acoustique comme ça. Et une sorte de quiz en quelque sorte. Mmh. Un blind test. Ouais, il faut qu'ils devinent quel dessin animé c'est. Ouais. Mmh. Ouais, blind test plutôt, c'est ça. Blind test, c'est auditif, je crois. Ouais, c'est trop bien. Et tu te rends compte que les mecs, c'était des... Bon, c'est peut-être encore le cas, je dis pas que c'était mieux avant, mais c'était des pointures, quoi, au niveau composition de chansons pour enfants, c'est magnifique, hein. Il y a plein de... Les Cités d'Or, les merveilleuses Cités d'Or, les Montagnes Englouties, enfin, il y a que ça, quoi. Il y avait que des bons morceaux, quoi. Raon, c'était hyper beau. Madame est servie, non, je déconne. Il y a plein de choses. Il y a des fumeuses dans le lot, j'ai l'impression. Non, il y en a une des deux qui fume, non? Non, pas du tout. Alors là, non, on fume, interdiction de fumer dans la radio. Ouais. Non, non. Non, je parlais pas dans la radio, non. Je parlais tout court, quoi. Mais bon, j'ai eu l'impression. Non, du tout. Bon, d'accord. Du tout. Alors, du coup, il m'a coupé ma question. Oui, c'était... non, parce que tu ne chantes qu'en anglais, ça veut dire que tu es bilingue, tu le comprends et tu le parles couramment, l'anglais? Mais, disons que... on peut dire niveau intermédiaire. Après, alors, ça ne s'entend pas forcément sur les deux premiers qu'on a écoutés, là, mais j'ai beaucoup travaillé l'accent, ouais. Enfin, dans mon coin, puisque j'ai pas de prof d'accent, ni d'anglais, je veux dire, mais le groupe dans lequel j'étais avant, je jouais avec une fille qui m'a dit, il faut que tu travailles ton accent, j'en avais pas conscience, et bien sûr, elle a eu raison. Et donc, j'ai travaillé, et j'espère avoir fait des progrès par rapport à ça. Et c'est curieux, parce que je suis plus à l'aise pour le parler, l'anglais, que peut-être pour le chanter, mais il faut travailler dans les deux cas, ouais, c'est clair. Mm. Puisque tu rentres dans un monde... où il faut que tu fasses partie intégrante de ce monde-là, quoi. C'est clair. Oui. Si ça vous intéresse, je suis en train d'apprendre l'arabe aussi en ce moment. Voilà. Et, ça m'attire beaucoup, tout ça, et, toutes ces langues. Et il y a des gens qui apprennent le chinois aussi. Ça pourra servir, je pense, bientôt. Ah oui. Oui. Ça, c'est clair que, bon, après, l'anglais est un peu universel. Si on sait déjà parler l'anglais, c'est déjà beaucoup, moi, je dis. Oui, c'est déjà beaucoup. On rebondit un peu sur ta question précédente. Pourquoi l'anglais? Mais parce que, ouais, il y a un moment où il faut se réveiller, quoi. Alors, j'aimerais beaucoup avoir le talent d'écriture pas de Brassens, parce que c'est le top, quoi, c'est le top niveau, mais... de mec comme Souchon, tu vois, c'est joli, c'est mignon, mais bon, puisque c'est pas encore le cas, je travaille dans mon coin, et puis je pense que c'est aussi se cultiver par rapport à ça, donc pour l'instant je fais que de l'anglais, et j'essaie de faire du métaphorique un petit peu, et voilà, quoi, chaque chose en son temps, mais l'anglais, c'est universel, et puis il faut s'y mettre de toute façon, ouais. T'as pas essayé, justement, puisque tu as du mal un petit peu en français, à faire un petit mix, faire une chanson avec du français et de l'anglais dedans, parce que ça, c'est de la grande mode, ça. Oui, c'est vrai que c'est la grande mode, un peu comme Gainsbourg le faisait à une époque aussi. Mais c'est pareil, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais je me vois... Non, pour l'instant, non. Sans que ce soit cucu la praline, non, quoi. Mm. Pour l'instant, si j'essaie de faire ça, c'est cucu, ça marche pas, quoi. Donc... Je le fais pas pour l'instant. Non. Bon, pour l'instant. Alors, tu disais que tu n'avais pas de prof d'anglais. Est-ce que tu as un prof de chant? Est-ce que tu fais des cours de chant? Est-ce que tu en as fait? Oui. Et... c'est marrant parce que ça m'est arrivé une situation il y a quelques jours où quelqu'un est rentré en contact avec moi. Je ne sais plus où elle m'avait trouvé, sur Internet peut-être, qu'elle me dit oui. Machin et tout, et comment tu trouves ma musique et tout. Alors, j'ai écouté et je me suis dit, tu devrais prendre des cours de chant parce que j'en ai pris et je me suis, en l'écoutant, j'ai retrouvé un petit peu dans ses défauts, mes anciens défauts. Alors tout n'est pas parfait, bien sûr, hein. Je chante encore un peu trop avec la gorge, mais j'ai pris des cours de chant qui m'ont fait beaucoup de bien, oui, il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et
Je reprendrais bien encore maintenant, mais c'est trop cher. Donc voilà, c'est pour ça que j'en prends pas. Mais ouais, on t'apprend à comprendre un peu le système de la voix et de l'air, quoi. Et qu'il faut absolument envoyer de l'air pour que la voix, c'est ce qui va donner la note et la teinte. Et puis l'air, ben, c'est comme un accordéon. T'appuies sur le ventre, entre le ventre et le dos, comme ça, une pression. Et ça envoie de l'air qui, lui, va être transformé après dans la gorge, si je peux un petit peu... Si je me trompe pas, quoi, si j'ai bien compris le système. Oui, et puis... Et donc, j'ai dit ça à cette fille, et je sais pas si elle a bien pris ou pas. Elle t'écrit plus depuis. Non. Bon. C'est parce qu'elle est devenue... Bon, d'accord. On va lancer un appel. Bon, alors les il rigole bien. Il y a un grand décalage parce qu'il rigole bien longtemps après. Pour une autre blague, je crois, pour une autre chose. Il est en décalé, ouais. Et tous les jours, de toute façon, il est en décalé comme ça. Ah bon? C'est mon coloc, bah, écoute, il n'est pas parfait, bon, je l'accepte comme il est. Il vaut mieux hein, rigoler à l'heure actuelle hein, plutôt que de pleurer. Exactement, tous les jours, hein, de toute façon. On ne fait pas que ça, on se renseigne aussi, on sait un peu comment le monde tourne, mais ça fait beaucoup de mal, mais on rigole aussi beaucoup à côté, ouais, comme tu dis, ouais, ouais. Tu as tout à fait raison. Il faut. C'est clair. Alors, et pour la guitare, est-ce que tu as pris des cours ou tu as appris en autodidacte? Non, la guitare, j'ai jamais pris de cours, ça. C'est vrai que... ben, pareil, c'est toujours... j'ai voulu prendre des cours de guitare flamenco à l'époque pour un petit peu évaser et pour me cultiver. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Hein. Si tu veux évoluer, ben, c'est de la culture. Il faut. Je suis parti un petit peu vers ça, vers le flamenco, sauf que ben, c'était 30 ou 35 balles les trois quarts d'heure. Alors que moi, je donne des cours de guitare, c'est une heure, voire un peu plus, et je prends que 20 euros, tu vois. Et ça m'a toujours un peu rebuté, quoi. Je trouve que c'est trop cher, et puis c'est de l'argent que j'avais pas. Mais ça, c'est clair qu'on apprend toute sa vie. Alors, on verra, je sais pas. On verra si je prends des cours un jour de guitare, ouais. Pourquoi pas, ouais. Alors, pour la composition et l'écriture de tes chansons, comment procèdes-tu, Eddy? Est-ce que tu composes d'abord et tu écris après, ou tu as écrit ta chanson et tu y composes dessus? Comment fais-tu? J'ai vu la dernière fois à la télé où il est posé cette question, il disait, bah, c'est toujours la musique en premier, mais c'est un peu ça, ouais. J'ai une tablette qui est toujours un petit peu dans le coin. Quand j'ai une idée, ça peut même des fois être après le fait que je me sois couché. Hein. Je me relève, j'ai une idée dans la tête, je l'enregistre à la guitare sur la tablette et puis je la laisse traîner comme ça dans mes petits compartiments. Et parfois je pars sur une idée de base. Je dis bon, ça va être l'ossature. Et je rajoute ces petits compartiments que j'avais enregistrés sur la tablette, petit à petit, comme ça, je les rajoute. Ça marche pas, tu les remets. Et après, une fois après, j'écris les paroles. Alors les paroles, c'est marrant parce que souvent, ça peut venir du franglais, quoi. T'as un air et ça va faire « One again, where's the fly ?» Et bien, j'ai tendance à garder ce « One again, where's the fly ?» et essayer que ça colle le plus possible à une phrase qui veut dire quelque chose en anglais, finalement, quoi. Et après, tu as un thème, tu pars sur un thème au niveau de l'écriture, tu sais vers quoi tu pars, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que ce que tu perds dans le français, tu vas devoir le travailler dans l'anglais, quoi, finalement. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est... Oui, après le français, il faut pas traduire mot pour mot en anglais, hein, ouais. Parce que des fois, tu as des surprises. Hein. Oui. C'est ça. Et surtout, en français, y a plus qu'à, quoi. Tu travailles, bien sûr... ta forme, ton truc, ce que finalement je n'arrive pas à faire encore, mais t'es en français, quoi, t'es dans ta langue natale. Alors que là, t'es obligé de traduire en anglais et puis t'es obligé de vérifier que ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Tout à fait, oui. Ouais, c'est pas gagné, ouais. Voilà un petit peu comment je les prends, ouais. Je pense que c'est très... Oui, c'est très bien parce qu'après, quand tu as la musique, c'est vrai que tu écris dessus avec la musique. T'as pas besoin de refaire 50 fois parce que forcément, ça va jointer avec la musique. Parce que tu écris après avec la musique, des fois, tu es obligé de t'y reprendre à plusieurs fois. Parce que la phrase est trop longue, il faut couper, il faut... Et ce que je voulais dire aussi un petit peu, c'est que ça se rejoint dans mon idée, c'est que si j'essaie de m'attarder longtemps sur les mélodies, ben, c'est que justement...
La plupart des gens n'écoutent pas forcément les textes, même quand c'est en français. Et c'est très important de s'arrêter sur la mélodie. Je pense que c'est le premier truc sur lequel on s'arrête, de toute façon, quoi. Tout à fait, ouais. Et ma mère, la première, me demande toujours « Mais pourquoi dès qu'il prend en français ?» Et au final, toutes les chansons qu'on aime beaucoup, c'est beaucoup d'anglo-saxons. Et puis, je sais pas, les chansons de Cat Stevens, de Neil Young, de Bob Dylan... une majorité de gens ne sont jamais allés chercher à savoir ce que voulaient dire les paroles, de toute façon. Donc voilà, c'est une sorte de fantasme un petit peu. Ouais, c'est mon coup de gueule. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a de magnifiques chansons en anglais. Voilà, ça c'est les plus belles chansons d'ailleurs. Voilà, de groupes sont en anglais sont les plus belles. Hein. C'est vrai que pas mal de groupes. Bon, t'as Queen, t'en as plein hein, de groupes mythiques. Queen, je vous invite à regarder aussi. C'est un peu au ras des pâquerettes, on va dire. Les paroles, je parle pas pour leur bêtise, mais pour leur côté, on parlait de trucs salaces tout à l'heure. J'étais à une soirée il y a pas longtemps où ils faisaient s'envoler des lanternes, tu sais. Oui. Et c'était magnifique, mais derrière ils passaient Don't Stop Me Now, tu vois. Oui. Don't Stop Me Now. Et bon, mais quand tu regardes les paroles, t'écoutes un peu ce qu'il dit. Vous connaissez un petit peu la vie de Freddie Mercury, quoi. Oui. Oui. Pas grâce au film, au passage, mais vous connaissez sa vie, quoi. Bon, ça reste un groupe, quand même, qui est pas mal écouté. Ouais. J'ai toujours... ça a été une de mes inspirations principales pour la toute dernière, d'ailleurs. Non, c'est un super groupe. Qu'est-ce qu'ils étaient forts, quoi. C'était... Ah ouais, Queen, c'est énorme. C'est énorme. Alors, Queen, bon, on les entend sur toutes les radios et encore. Alors, est-ce que toi, Eddie, tu as envoyé un petit peu tes chansons partout, dans des radios? Si oui, est-ce que tu as eu un bon accueil et est-ce que tu es bien diffusé? Non. Alors, enfin, non pour la deuxième partie de ta question. Oui. Je trouve que les radios, est-ce que je vais dire les radios en général, les plus grosses radios, je trouve qu'elles font pas leur travail, quoi. Elles font pas ce qu'elles devraient faire. Elles devraient être un peu plus. C'est quoi le mot c'est pour apprendre aux gens, tu vois, pour les radios devraient nous faire passer beaucoup plus de musique diverse. Et tu te rends compte que tu as mis le doigt sur un truc important par rapport à Queen. Queen, on entend tout le temps les mêmes chansons de Queen, alors que c'est un groupe qui a été très qui a fait beaucoup de chansons. On entend tout le temps U2, on entend tout le temps Goldman, Jean-Louis Aubert, Téléphone. Moi j'en peux plus, j'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot, quoi, alors que il y a des super radios comme Radio Nova qui ont toujours passé des trucs très très divers et variés et surtout qui passent de tout, quoi. Et pour répondre au début de ta question, la première partie, c'est là que Anne entre en compte. Bon, bref, oui. Et qui appelle, elle s'occupe un peu de moi, elle s'occupe de moi en mode attaché de presse, si on peut dire ça comme ça. Et elle me fait passer, elle rentre en contact avec certaines radios, comme avec Radio D'Artagnan, et je l'en remercie, je suis très content. Et elle envoie donc les morceaux, puisqu'elle a de meilleurs contacts que moi, elle envoie des morceaux donc aux radios, quoi. Oui. Voilà, pour qu'ils me fassent assez. Mais je sais pas où ça en est, quoi. Je sais pas trop comment ça se passe pour l'instant. C'est vrai que Anne est très sérieuse, très polie, elle fait ça très correctement. Voilà, moi j'apprécie beaucoup des gens comme ça, voilà, qui écrivent, qui demandent, qui restent polis. Voilà, c'est très très important. Ah oui, bien sûr, qui est lucide et qui a compris un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, là, j'ai une chance énorme, hein, c'est clair. Alors ça, elle t'a fait un petit message d'ailleurs. Ah mais tout le temps, je passe tout le temps un message, et c'est ce que je pense d'elle, comment j'agis avec elle, et l'importance qu'elle a dans ma vie. Et puis moi c'est tout nouveau, la présence d'Anne dans ma vie professionnelle, parce que mon quotidien c'est de prendre le téléphone et de harceler les patrons de bar, les patrons de salle, les patrons de,
que sais-je, sachant que j'ai très peu de contacts, voire aucun, et je pars toujours de zéro, et donc c'est du... j'ai pas de tourneur, si tu veux, quoi. Oui, oui. Donc tous les concerts que je trouve, ben, je me les trouve tout seul, je me trouve tout seul. C'est un peu faux, parce que j'ai, comme je disais, j'ai un colocataire qui lui a un peu plus de réseau, puisque c'est le mot idoine. Et il a un peu plus de réseau et il me permet aussi de profiter de ça et c'est le cas. C'est le cas, je rencontre beaucoup de monde grâce à lui et grâce à Anne aussi, quoi. Et puis après, une fois que tu rentres un petit peu dans la spirale, ça permet de connaître un peu plus de monde, j'espère. Alors, le petit message de Anne, elle te dit, message pour Eddy, c'est un artiste, un vrai, avec un humour et un franc-parler que j'adore, qu'il ne change pas. Encore merci Corinne, bisous, et bisous à Morgane qui a 12 ans, et à Solène. Voilà, le petit message de Anne. On a des nouvelles de Morgane, en fait, ou pas? Oui, alors Morgane, elle nous disait, pour répondre, attends... Elle nous disait, oui, on fait très attention aux paroles quand on s'adresse aux gens en chantant. C'est important de ne pas raconter n'importe quoi. Voilà ce qu'elle te disait. Morgane, c'est ça, ouais. Il faut un peu... Bah, moi, tu sais, Morgane, je regarde beaucoup de youtubeurs. Et les youtubeurs m'ont fait comprendre un truc, c'est que quand tu fais des vidéos sur YouTube, ou finalement, même quand tu fais de la musique, bah, tu deviens exemplaire au sens premier du terme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'écoutent, il y a des trucs, et puis même au niveau de la morale, moi j'ai envie d'être quelqu'un de bien, quoi, et j'ai pas envie d'être dans l'ombre du mal, du malin, tout ça, et j'ai envie d'être quelqu'un de bien et quelqu'un de moral, quoi. Et je suis content si tu fais pareil, Morgane, c'est bien. Voilà. Allez, Eddy, on va écouter un autre morceau, si tu veux bien, qui se nomme So Many Faces Around. Wow. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est l'avant-dernière chanson. Ouais, oui. Il y a deux musiciens qui m'accompagnent tout cela. Un qui s'appelle Eric Bravin et l'autre c'est mon pote Eric, mais je ne me rappelle pas à la guitare à 12 cordes, je ne me rappelle jamais son nom de famille, donc c'est mon pote Eric. Et à la basse c'est Eric Bravin. Eh bien, on va l'écouter. On va l'écouter tout de suite, cette chanson. Et puis, si nos auditrices et auditeurs veulent travailler, ils peuvent. Oui, vous pouvez envoyer des petits messages sur le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan pour Eddy. Allez, on y va, on écoute tout de suite Eddy Capo, vous êtes sur Radio d'Artagnan. 1, 2... Time before crime and loving for two, through the diamond cross, the line is tugging of you. Leave aside the sorrow, choose a beautiful attitude. The lonely, lonely lady, and going to the party. Is here for little dear, it can be true, but nothing's clear. Let's dry your tears, it's somebody new. Ain't a thing to love so, for a while it didn't steal them. The maiden loses virtue and walks into the slaughter. She walks into the slaughter. So many faces around, a many time before it, staring at the lonely shivering window in the night she crawled. Thank you.
strange feeling stuck in the ring that he deals. But keep on trugging, knowing well there'll be this peace. Take an easy lady, don't upset this looking member. For love along the day trip, just let your seven free wings. Just let your seven free wings. So many faces around, and many times before it, staring at the lonely shit written down in the night he crawled. So many say you're bound, but I will find beside you. Somehow you made it through in the night she is gone. In the night she's gone. She's gone. Retrouvez les nouveaux talents sur Radio D'Artagnan tous les mercredis de 18h à 20h. Je dis stop, je libère ma rage et je craque. J'ai beau tout faire pour être au top, je suis à côté de la plaque. Je dis stop, stop aux mensonges et aux arnaques. C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque. Radio D'Artagnan tous les mercredis de 18h à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA présentée par Corinne. Merci une fois. Radio D'Artagnan, j'aime. Et oui, tous les mercredis soirs, on part à la découverte d'un nouveau talent, 18h, 20h. Et ce soir, on est avec Eddy Capot. Ça va toujours, Eddy? Eh oui, toujours présent, toujours là. Alors, ton colocataire, tu vois, il m'a écrit, il a dit, c'est moi que vous entendez rire derrière, voilà. Ah, il a dit ça, ouais. Oui. Ah ben, c'est mignon, c'est oui, vrai. Oui, oui, merci. Et quelle heure est-vous chez vous, là? C'est dans quelle ville, Radio D'Artagnan? J'ai oublié. C'est en France. C'est en France, t'inquiète pas, c'est dans le Gers. C'est en France, ouais. Sinon, il est 19h à Montréal. À Montréal. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais à Paris, hein? Oui, on est à Paris, c'est vrai. Bon, voilà. À Nogaro. Ah, c'est à Nogaro. Ah, d'accord. Dans le Gers, oui, à Nogaro. Dans le Gers, à Nogaro. Ah, mais oui, les bagnoles, tout ça. Le? D'accord, les courses de voiture. Ah oui, tout à fait, ouais.
On n'est pas loin d'ailleurs, la radio, elle n'est pas loin du circuit. Ah oui, oui, le samedi, on entend les, ouais, les moteurs. C'est ça. Exactement. Qui c'est qui vous fait les jingles? J'entendais les jingles là tout à l'heure. C'est nous. C'est vous? Oui. Sur Highway 12, sur quoi j'entends? Ah oui, sur... Ah, tout ça, c'est les nouveaux talents. Les nouveaux talents de Radio D'Artagnan que tu as entendus. Voilà. Mais la fille reprenait quoi? Elle reprenait Balavoine aussi? C'était un garçon. C'était un garçon, Sauver l'amour, ouais. Léo. Ouais. Et la fille, c'est l'orchestre Coverstream, voilà, qui reprenait ACDC. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous voulez dire par nouveau talent Voilà, mais tout ce que tu as entendu là, ouais, il tourne avec nous, quoi. Voilà, parce qu'on les place un petit peu partout. D'accord. Voilà. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Alors. Ça va, vous? Ah oui, ouais, 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 oui, non. Impeccable. Impeccable. Alors, Eddie, pour se faire connaître un peu plus, tu sais qu'il y a des fois à la télé. Alors, est-ce que ça t'intéresserait, toi, de t'inscrire à ces castings d'émissions télé qu'on voit à l'heure actuelle? Si c'est bien payé, oui. Il faut d'abord y passer, après, avoir. Il faut d'abord y passer. Ouais. Bah, c'est un peu comme... Tu sais ce que je pense de ça? Oui. Ça veut pas dire que... Je trouve ça... Il y a trop de gens qui veulent faire de la musique alors qu'ils ont rien à foutre là, quoi. Voilà. Voilà ce que j'en pense, quoi. Il y a trop de gens qui veulent... Il y a trop de gens surtout qui veulent être des... Des stars. Qui veulent être des stars, quoi. Mm. Qui veulent être connus, qui veulent taper dans le gâteau et tout. Ça peut faire rêver, je comprends. Hein. Sauf que ce milieu-là, il fait pas du tout rêver, quoi. Après, moi, ce qui m'attire, c'est surtout de jouer sur des scènes un peu plus grosses, quoi. De jouer sur des scènes tout court, d'ailleurs. Oui. Et ça, à plus avoir à aller chercher ces scènes. Je sais pas si je suis capable de tout faire, de tout accepter, je suis pas sûr. Mais quand tu vois l'image que ça renvoie ce truc-là, moi je trouve ça nul, quoi. Je trouve ça naze, mais je trouve ça même assez pitoyable. Mais parce qu'il y a plein de gens qui, bon, y a aussi des gens qui ont du talent, hein, ils l'empêchent, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas fait pour les bonnes raisons, j'ai l'impression, quoi. C'est des trucs de mouchoir jetable, là, de... Ils prennent une personne, boum, ils en font ce qu'ils veulent et après, allez hop, poubelle. Et quand je vois ce qui est devenu un mec, par exemple, comme... comment il s'appelle? Julien Doré, là, le... Oui. Le descendant de Doré, là, et je sais pas, j'aime pas du tout... J'aime pas ce mec, j'aime pas ce qu'il est, j'aime pas ce qu'il est devenu. Ça veut pas dire que j'aime pas sa musique, mais elle me dérange pas, mais j'aime pas ce qu'il est devenu. Et je trouve que, voilà, ça pourrit un peu les gens, on dirait, voilà, pour être tout à fait sincère. Qui sort de Nouvelle Star, Julien Doré. Ouais. Voilà. Nouvelle Star, ouais, je suis obligée de le dire, hein, Solène. Nouvelle Star, oui, oui. On a accueilli dernièrement Thierry Amiel sur les ondes de Radio D'Artagnan, qui était finaliste de la première Nouvelle Star, qui n'avait pas gagné d'ailleurs, mais ça n'empêche que voilà, il a fait son chemin et que c'est un excellent artiste, par contre. Tout à fait. Ouais, j'ai vu, j'ai regardé un peu ce qu'il fait, je suis un petit peu, ouais, grâce à Anne d'ailleurs. Oui, oui. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait, ouais. il continue sa carrière, ouais, c'est bien. Alors, Eddie, ce qu'on dit des artistes, le plus important, tu viens de le dire, c'est la scène. Alors, explique-nous un petit peu les scènes que tu as fait déjà. Les scènes que j'ai fait, j'ai joué à Paris, j'ai joué en 1999, j'ai joué à l'International, ils ont eu la gentillesse de me recevoir deux fois. J'ai joué au backstage. Il y a mon coloc qui me dit parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. D'accord. J'ai joué au backstage 1000 du côté de Pigalle pour le festival Emergenza, qui me fait un peu penser à Nouvelle Star, à tout ça d'ailleurs, le festival, je veux dire. Oui. J'ai joué moi aussi sur les scènes. J'ai fait une autre scène aussi. Je suis content parce que je vais jouer sur une scène mythique là samedi soir. Je joue au Truskell et il y a quand même Pete Doherty qui est passé au Truskell, alors c'est pas rien, tu vois. Oui. Arcaï, Pete Doherty, Blur aussi, ouais, d'accord. Blur, tous ces grands artistes, et je suis content de... Bah, je vais y passer aussi, alors ça fait tout drôle, quoi.
C'est Mireille qui m'a eu au téléphone. Comme je vous disais tout à l'heure, j'envoie un mail, j'y vais au culot, je relance. On n'est pas loin du harcèlement, mais toujours le harcèlement gentil. Je suis pas un stalker, oui. quoi. Oui. C'est pas pour des demandes sexuelles en tout cas. Et j'essaie de demander, elle a accepté, et puis j'y joue samedi. Je suis hyper content, quoi. En compagnie d'un groupe de rock et j'ai oublié le nom, je suis désolé. Ça c'est le côté égoïste de l'artiste qui ne pense qu'à lui. je suis hyper content. C'est un peu les endroits où j'ai joué. On a vu un petit peu avec Anne aussi pour peut-être me faire participer à tel ou tel festival, mais je pense que ça sera dans le courant de l'année. Mais c'est clair que j'aimerais faire que des salles comme ça, quoi, que des salles. En plus, j'ai un topo d'à peu près 7-8 chansons, je peux faire des premières parties, je peux jouer pendant 3 quarts d'heure, et ça correspond parfaitement, tu vois, avec le fait que je suis en guitare acoustique, donc en mode de première partie, et après le groupe peut arriver derrière et tout, voilà, donc je passe un appel. Appel désespéré. c'est un petit peu c'est un peu ce que j'aimerais faire, un peu plus en tout cas, voilà. Alors c'est Métrom, non, le groupe? Métrom, c'était la dernière fois, oui. Ah oui. C'était la dernière fois, et c'était à l'international. Mais je vais te le retrouver, le nom du... Je vais le retrouver, ouais. Je dois l'avoir là, sous les yeux. Et puis je suis très content, hein. C'est un horreur, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'espère faire des scènes un peu plus conséquentes... même si je fais aussi pas mal de bars, quoi, puisque je suis intermittent, c'est surtout les bars et le fait que je fais des reprises qui me font aussi avoir mon intermittent, sinon je suis intermittent. Oui. Ouais. Oui, il faut 43, 46 dates ou je sais plus combien. Ouais, 43 dates. Ouais. 43 ouais, dates à l'année, voilà. Pour prétendre, ouais. Oui, pour prétendre être ouais, intermittent. Ça, ouais, mmh. 43 dates, oui. Ouais. Ouais. Alors comment tu les prépares ces scènes, Eddie? Tu chantes toujours les mêmes chansons ou tu fais des fois par rapport au public que tu as en face de toi? C'est une bonne question. Là tout à l'heure par exemple, je bossais les morceaux, je les répétais pour être bien et je me fais une petite liste comme ça. Oui. Une petite liste que je mets à mes pieds et que je ne respecte pas lors du concert. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours au final, c'est toujours au feeling, je fais telle ou telle chanson à tel moment. Alors que la setlist que j'ai préparée, je me suis dit, bon, ben, ça va être bien de la faire celle-ci à tel moment, celle-là à tel moment, et au final, tu perds un peu la notion sur scène, et puis tu fais un peu comme ça au feeling. J'essaie de faire une ou deux reprises aussi, parce que j'aime beaucoup Neil Young, comme vous l'avez compris. Alors, je fais aussi un petit peu ça, quoi, c'est un peu comme ça, ouais, je prépare les morceaux sur un bout de papier que je respecte pas tout le temps. Ouais. Tu montes tout seul sur scène ou des fois tu es accompagné de d'autres musiciens? Mais j'aimerais bien monter, j'aimerais bien que la personne dont j'ai parlé, Eric, qui joue de la guitare 12 cordes sur le dernier morceau qu'on a écouté là. Oui. J'aimerais bien qu'il m'accompagne un petit peu. Je sais pas ce bonjour d'ailleurs. Sauf que c'est quelqu'un qui a quelques petits soucis de santé, mais qui va bientôt se remettre. Et j'aimerais bien qu'il m'accompagne prochainement sur les dates. Un petit truc de 12 cordes derrière pour que ça fasse encore plus années 70 et que ça soit encore plus charmant. Mais sinon, je suis toujours tout seul, ouais. Oui. Toujours tout seul avec mon harmonica. Tu aimerais avoir un groupe avec toi, batterie, tu vois, plusieurs instruments de musique avec toi sur scène? Oui, c'est une bonne question. Je me demande si c'est pas l'évolution logique après, puisque les morceaux qu'on a écoutés sont orchestrés finalement, quoi. Oui. Je pense qu'on en écoutera d'autres après qui ne sauront pas, ou je serai tout seul, je sais pas. Mais maintenant, oui, c'est parce que c'est des morceaux qui étaient sur l'EP finalement, et l'EP, j'ai quasiment que des trucs orchestrés. Parce que c'était ma vision des choses, mais je pense, oui, que même les morceaux que je fais acoustiquement maintenant, la basse est sous-entendue, la batterie aussi, même s'ils ne sont pas présents, ils sont sous-entendus, et je pense que ça marcherait très bien, oui, en accompagnement, en orchestrement, oui. Mmh. Sans problème, c'est sûr. C'est après,
il faut que chaque chose soit faite en son temps. Et je pense que c'est trop tôt encore pour en parler. Ouais. Après, bon, c'est un autre budget, on connaît, hein, quand on doit faire venir des artistes, quand l'artiste est seul avec la guitare ou quand il est accompagné d'un groupe, voilà, c'est tout à fait différent. C'est différent aussi sur scène, hein, il faut reconnaître, parce que voilà, c'est un spectacle tout à fait différent avec des musiciens. Oui, et puis si je comprends bien, il faut d'abord se faire connaître un peu, intégrer un label, si j'ai bien compris. Un label indépendant ou peu importe, intégrer un label et c'est un petit peu après à ce moment-là le label qui vous prend en main et avec un tourneur, et bah, c'est ce que rêve chaque artiste après de toute façon. Hein. Être pris en main. Oui, après tu peux monter ton propre groupe sans avoir un label ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est comme tu disais, c'est plus compliqué quand même. Oui. Et surtout, c'est pas, je ne verrais pas faire ça maintenant. Ça me semble pas, je vais pas le prendre dans ce sens-là, quoi. Je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Ouais. Moment, voilà. Petit à petit. Ouais, d'abord. Trop de groupe pour. Puisqu'on en a parlé de fantasmes, je verrais plus des musiciens qui sont qui jouent mes partitions, quoi. Puis c'est leur boulot, et puis voilà, point barre, quoi. Oui. Plutôt que de monter un groupe de copains, ça je l'ai trop fait, c'est particulier, on va dire. Oui, parce qu'après, il y en a un qui n'est pas libre à cette date, après l'autre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est difficile, ouais. Ouais, ouais, c'est difficile. Moitié du temps, c'est pas leur boulot. À l'époque, je jouais dans un tribute ACDC. On faisait du ACDC, mais on se prenait beaucoup la gueule aussi. On se prenait pas mal. beaucoup, ouais. Mm. Beaucoup. Alors, est-ce que. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des concerts pour des associations ou des œuvres caritatives? Des fois, ils demandent, tu vois, pour le Téléthon, pour autre chose. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu en as déjà fait? Oui, bien sûr. Quand j'ai le coup de cœur, je suis même rentré en contact avec une association de Paris qui s'appelle le Moulin à Café. On peut y manger aussi et il se passe souvent des choses dans le 14e, parce que je suis dans le 14e. Oui. Je vis dans le 14e. Cette association, je leur ai dit, écoutez, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, je trouve que c'est super, et ça vous dit que je viens de jouer une après-midi ou un après-midi, comme ça. Ils m'ont dit, oui, tout à fait. Et sans arrière-pensée, pourquoi j'ai dit ça? Parce que derrière, ça s'est plutôt enchaîné bien pour moi, c'est-à-dire que je suis rentré en contact via cette association avec les Lulu dans ma rue, qui est une autre association qui me propose des services... je sais pas, de repassage de mécaniciens, de toilettage, je sais pas, plein de trucs comme ça, de ménage, mais à prix réduit, quoi. Et ils ont des kiosques comme ça disséminés dans tout Paris, et je joue parfois pour un kiosque, et là je suis payé pour le coup. D'accord. Voilà, dans ce genre de manifestation, ouais. Et si on... Mais des fois, c'est pas le cas, quoi. Des fois, je le fais avec plaisir pour quand j'ai un coup de cœur, voilà. Si on te demandait, par exemple, d'être parrain d'une association, tu aimerais être le parrain de quelle association? Tu voudrais défendre quelle cause à l'heure actuelle? C'est une bonne question. Une association avec les enfants, j'aime beaucoup. Je suis un ancien animateur aussi, et avec les gosses, et je les aime beaucoup, et je me verrais bien, oui, peut-être dans une association comme ça, ouais. Dans ce genre, après, je dois t'avouer que j'en connais pas beaucoup. Par exemple, quand je vivais encore au Pays Basque, je suis natif de Bayonne, je me voyais bien aller je me voyais bien aller dans un hôpital et jouer pour les enfants malades. J'ai connu un petit peu le milieu de l'hôpital, puisque j'ai eu mon père qui a succombé à un cancer, et donc on a passé un paquet de temps à l'hôpital pour le voir. Et je connais un peu ces ambiances-là, c'est pas marrant, surtout pour des gosses, quoi. Mais j'ai jamais eu le courage d'arriver comme ça spontanément à l'hôpital et de demander. Bonjour, est-ce que je peux jouer pour les gosses? Peut-être que c'est le cas, je sais pas, j'ai du courage pour plein de trucs, mais pas pour ça, c'est curieux. Et peut-être qu'on peut, je sais pas, se présenter spontanément, quoi.
En plus, tu as pas mal d'humour et je pense que ça passerait drôlement bien justement avec, avec les enfants. Tu penses à quelque chose en particulier ? Non, non, mais je te verrai bien voilà, faire ça parce que tu as pas mal d'humour, hein, on a bien rigolé ce soir. Et voilà, comme tu dis, quand on rentre dans ces hôpitaux et qu'on voit ces enfants, ça ne devrait pas exister, hein, entre parenthèses, voilà, des enfants malades. Voilà, mais de leur redonner, tu vois, le sourire, parce qu'avec l'humour que tu as, c'est sûr que ça passerait drôlement bien. Et sachant qu'en plus, tu fais tous les génériques de dessins animés, de séries et tout. Oui. Ouais, ouais. Oh, j'aurais envie de leur faire plaisir, c'est sûr, parce que même les enfants qui sont pas malades, de toute façon, c'est toujours... je sais pas, il y a un truc. J'ai découvert ça au Canada, à Montréal. J'ai donné des cours de skate par hasard, parce que je suis skateur depuis des années. Et j'ai eu le crush de suite dans l'animation, dans les animations avec les gosses, avec les trucs. J'ai plein d'anecdotes marrantes, d'ailleurs, quoi... j'ai dit, mais t'es trop mignon, comment tu t'appelles et tout. J'ai dit, t'as quel âge ? Il me fait 5 ans. Et comment tu t'appelles ? Il me fait Robert. C'est le système métrique canadien, quoi. Ils appellent leurs gosses comme nos grands-parents à nous, quoi. C'est marrant. Et ouais, j'ai découvert ça là-bas, quoi. Et après, j'ai fait de l'animation, je me suis éclaté. Ouais, oui, dès que je vois des gamins dans la rue, je fais l'idiot avec eux et tout, c'est clair, hein, ça me fait toujours marrer. Et après, les associations, je connais pas beaucoup. C'est pas mal avec Facebook, c'est pas mal aussi comme ça de visu, quand j'entends parler d'un truc. Voilà quoi. Mmh. Ouais. Parce qu'il c'est rempli de gens qui sont bénévoles et qui... je sais pas, de retraités, mais il y a des gens qui font ça tous les jours et c'est fou l'abnégation qu'il faut pour faire ça. Moi, je sais pas si j'ai autant d'abnégation pour les autres et je trouve ça magnifique, les bénévoles par exemple. Quoi. Ouais, il y a des bénévoles qui sont pas retraités, hein, je te le dis aussi. Ah oui, ouais, je confirme. Ouais, c'est clair. Il y a des bénévoles qui sont pas retraités, d'autant plus, tu vois, qui ont peu de temps comme ça. Nous, par exemple. Oui, oui, parce que nous, ce soir, on est bénévoles. On est bénévoles. pour Radio D'Artagnan, tu oui. veux dire oui. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Mm. Ça m'étonne pas. La Radio Nid, où je vais le vin aussi, ils me disent tout le temps, ouais, mais ça t'embête pas. J'y vais, tu plaisantes ou quoi? Personne n'est payé, de toute façon. Personne n'est payé, de toute manière, ouais, c'est clair. Et c'est des trucs, ouais, c'est du bénévolat, c'est des trucs pour le plaisir, c'est parce que ça fait vibrer, c'est parce que... Est-ce que vous vous imaginez les deux, je sais pas, à l'âge de 15-16 ans, à la radio, comme ça, en train d'être écouté par des milliers d'auditeurs, ça fait toujours rêver un peu, c'est super, je suis content. Mais, qu'est-ce que vous en dites, quoi ? Moi, personnellement, non, j'étais peut-être, oui, à 15-16 ans, j'y étais déjà, oui, puisque c'est moi qui ai ouvert Radio D'Artagnan, enfin, qui ai parlé la première à l'antenne. Après, forcément, on a toute une équipe avec nous pour l'ouverture, voilà. Mais moi, j'y suis depuis le départ. C'est moi qui ai ouvert Radio D'Artagnan en 1986. Ah, 1986, ouais. Oulala. Le 6 janvier d'ailleurs, on a fêté, on a fêté nos 34 ans. Mmh. D'accord, ah oui, 2020, je suis bête. Ouais. Ah bon, mais c'est super, donc si tu as été partisane, non, comment on dit, tu as été dans les premiers à créer ça, quoi. Oui, on y était. On était une bonne équipe, d'ailleurs l'équipe y est toujours, hein, l'équipe fondatrice y est toujours. Et voilà, c'est vrai, en 85-86, c'était l'époque où toutes les radios se mettaient en route et on avait adoré ça, faire une radio, et puis on l'a tenue et elle est toujours là, Radio D'Artagnan. Voilà. Et puis quelques années plus tard, t'as des gens qui n'ont jamais visité une radio, qui se retrouvent bénévoles à la radio et c'est génial. C'est génial, ouais. Et des gens que tu interviews et qui ont l'âge de la radio aussi. Ouais. Ah oui, même plus. Je suis de 84, c'est marrant, quoi. C'est de 86. Ouais, c'est, vous faites ça, vous avez appris sur le tas, comme on dit. Oui. On s'est formé un petit peu sur le tas et voilà, et c'est vrai que bon, on fait avec l'évolution, ordinateur maintenant et tout, il y a tout ce qu'il faut, voilà.
Mais il faudra venir voir ce studio, parce qu'on a un très joli studio, hein, c'est vrai. Ben oui, écoutez, c'est quoi, Inch'Allah, comme on dit, oui, avec plaisir, ouais, c'est clair. J'aime beaucoup, si j'étais venu, j'aurais joué les morceaux en live. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Oui. Ah ouais, avec plaisir. Vous avez du bon matos, c'est du matos récent, vous en êtes comment là au niveau des micros, c'est chouette. Ah oui, non, mais on a, voilà, ouais. On évolue avec le temps, hein, oui. On a un informaticien officiel, on a des micros, voilà, tout est renouvelé, au dernier cri, tout le temps. Oui, c'était ma question finalement, parce que je vis avec mon coloc qui sort de l'INA, il me parle de micro et de son toute la journée, et je suis content, ça me fait plaisir, et donc je suis un peu sensibilisé à tout ça maintenant, souvent il change tout le matos, il m'a dit neuf, il met des trucs... Mais le vieux matos, c'est tout aussi bon, de toute façon, hein, c'est clair. Après, voilà, une web radio, c'est ça, c'est une web radio, le colocataire, c'est ça ? Ouais. Voilà. Donc, web radio, c'est juste avec ordinateur et tout ça. Nous, on est une radio régionale, voilà, où il y a trois fréquences, plus Internet. Et là, c'est tout à fait différent, puisqu'il faut des émetteurs, des antennes, et j'en passe. Et oui, c'est tout à fait différent, c'est clair. Tout à fait différent. Et vous êtes sur quatre canaux différents, sur quatre fréquences. Alors sur trois fréquences et plus après Internet. Internet. Voilà. Ouais. Et capté sur cinq départements. Cinq départements. Ouais. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ah, c'est la classe, hein. C'est la classe, hein, Radio d'Artagnan. Ouais. Quels sont-ils ces départements? Alors le Gers pour commencer. Ouais. Les Landes. Les Pyrénées-Atlantiques. Ah ouais. Les Hautes-Pyrénées et le Lot-et-Garonne. Et le Lot-et-Garonne, je connais pas. Ouais. D'accord. La haute Pyrénées, d'accord. Mm. Ah, super. 32, 40, 64, 65 et 47. Ouais, ok. Pour ceux qui connaissent un peu, d'accord. Et après, sur le site internet, bien sûr, partout, on peut nous écouter en live partout et où on a beaucoup d'auditeurs sur internet aussi. Voilà, c'est très intéressant. Mm. Bon, mais ouais, c'est hyper intéressant, oui, parce qu'il y a un côté. Je le vois même via sa web radio, il y a un côté, j'ai l'impression de faire partie d'un tout un petit peu, quoi, d'être une bande entre les auditeurs, ceux qui parlent au micro, ceux qui sont invités, comme moi, et ça me fait rire de me dire que là je suis en train de parler, il y a plein de gens qui m'entendent, et je leur passe le bonjour d'ailleurs. Oui. ça l'intimide, ça y est, ça l'a intimidé. Ouais. Bon, eh bien, on va écouter une autre chanson si tu veux bien, Eddie. Et on va écouter Le Feu. Fire. The Fire, c'est autre chose. C'est encore orchestré, décidément. Je suis en train de parler de guitare acoustique des 70 depuis tout à l'heure, mais là, on est plus sur les années 90. C'est des trucs qui ressemblent un peu au rock alternatif, on va dire. Eh bien, on va l'écouter tout de suite parce qu'on a gardé ta dernière chanson pour la fin. Hein. Tu vois. Ah, super. Ah, ouais. Est-ce que j'ai le temps de dire que c'est un texte qui a été écrit par un ami des Landes, de la Benne, qui s'appelle Robert Campanella. Oui. Il m'a dit, fais une chanson de ce texte. Et je suis là, ok, vas-y, un truc un peu blues, mais pas le blues pompeux, quoi. Je suis pas fan du blues, mais voilà, j'ai essayé de faire un truc entre deux, on va dire. Tu parles de quelle chanson, oui, là voilà. The Fire, pardon. Ah oui, d'accord. Non, parce que j'allais dire, t'inquiète pas, on va se reparler avant de parler d'entendre la dernière chanson. Non, c'est les paroles de celle qui va venir. Ouais. D'accord. Bon, mais tu vois, je te rassure, la Benne, c'est pas très loin de chez nous. Oui, non. C'est à combien ? Une heure, je pense. Ouais. Une heure ? Oui. Ah ben, je vais venir alors, on va s'organiser ça. Ah oui, parce que, voilà, la Benne, c'est dans les Landes. C'est prévu, quoi. Oui, plutôt que prévu. Antoine, il me dit un peu plus quand même. Un peu plus ? Oh ! D'accord. Il a habité à Mont-de-Marsan, là, chez les fous. Alors, Mont-de-Marsan, c'est encore plus près. Là, t'es à 30 minutes. Là, t'es à 30 minutes de chez nous. Allez, tu diras combien, Antoine ? Donc, 1h. Ouais, 1h20, il me dit. Mais il est un peu obtus, Non, mais ça dépend de la vitesse. La vitesse, oui. Ouais, ça dépend de la vitesse. Voilà. Parce qu'après, c'est de l'autoroute. Hein. On passe Mont-de-Marsan et après, à Mont-de-Marsan, ça file. Hein. C'est les deux fois de voie, là ça file. Cette route, mais je l'aime beaucoup, en plus. J'aime beaucoup cette route, donc on va se faire un truc très rapidement, c'est clair. Bon. La route de Mont-de-Marsan.
Il est sur ma pie. On me dit envoyez la musique. Envoyez la musique. Allez, on va écouter The Fire et pendant ce temps, Eddie va nous dire à combien de temps on est de la benne. Exactement, je vais vérifier ça. Allez. Après, on écoutera Jacques Martin à 20h. Allez, envoyez la musique The Fire. C'est Eddie Capo sur Radio D'Artagnan. C'est notre invité de ce soir, Eddie Capo, sur les ondes de Radio D'Artagnan, qu'on découvre tous ensemble. C'est Antoine, son colocataire, qui me fait rire, là. Ah, ouais. Ah, il envoie des messages, quoi. Oui, je pense qu'il a trouvé le truc. C'est pas trop grivois ? Non, ça va. Non, ça va. Je vous dis pas, il faut se coltiner, quoi. Ah bon ? Enfin, bon. Ah, il rigole. Au moins, on pourra dire qu'on a rigolé hein, pour débuter l'année. Voilà. Au moins. Exactement. Ouais, c'est le principal. Un ancien collègue pied noir à moi, il disait
On n'est pas bien payé, mais on rigole bien. Tiens. Tout à fait. C'est ça. Voilà, c'est le principal. Ça m'a toujours beaucoup fait rire. Alors Eddy, en dehors de la chanson, est-ce qu'il te reste du temps pour avoir quelques loisirs à côté? Tu parlais tout à l'heure de skateboard, je ne sais pas si tu en fais toujours. Oui, j'en fais toujours peu, parce que je fais du foot aussi maintenant. J'ai découvert le foot par hasard, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais j'ai découvert le foot, mais comme on découvre, l'Amérique. Oui. Et je me suis retrouvé à une passion, alors que avant j'étais comme tout le monde, je détestais ça. Et je me suis découvert une passion du jour au lendemain quasiment. Et je fais du foot maintenant. Et je fais du skate, j'ai fait de la photo, de la vidéo aussi. Puis j'essaie de me cultiver chaque jour que Dieu fait, quoi. Tous les jours, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, j'essaie d'apprendre des choses, quoi. Et puis d'apprendre des choses. Quel est le dernier concert que tu es allé voir? Quel chanteur? Le dernier concert que je suis allé voir, c'était... je suis allé avec mon coloc, je vais encore le prendre à partie. Comment s'appelait le pianiste qui reprenait les chansons de Chopin? Les chansons de Chopin. Tanguy de Viancourt. Mon coloc m'a invité, il avait deux places. Bon, à la base, il devait y aller avec une fille, mais elle s'est désistée, donc il y allait avec moi, sympa. J'ai dû faire la fille toute la soirée. Ouais. Et on est allé voir ça, et c'était magnifique. C'était aux bougies, ouais. Intégralement éclairé aux bougies. Et il s'est avéré que... Bon, t'as vu que je faisais un petit peu l'idiot comme là ce soir et je vois une des filles en bas qui donc on était tout en haut, il y a eu des places tout en haut parce que c'était quand même pas donné. Et il y a une fille en bas, je commence à lui faire des signes, elle était avec le micro, elle me dit tu veux prendre le micro? Je fais ouais carrément, donc je descends et j'ai compris en descendant que c'était une plaisanterie. Et elle me fait mais vous voulez vous mettre là au premier rang? Donc on se retrouve au deuxième rang comme ça. Tout content, quoi, après avoir déconné un peu avec les deux filles, quoi, les deux placières, si on peut dire, comment on dit, les placeuses, quoi. Mmh. Les filles qui plaçaient, mmh. et on a vu ça, il y a des gens, c'est impressionnant, quoi, c'est virtuose, c'est encore autre chose, quoi. Donc il y a le don, et tu rajoutes à ça le travail, et puis c'est... Oh, il était impressionnant, le mec. Oh là là. Et quel artiste tu aimerais aller voir en 2020? Les artistes, j'aimerais aller voir en 2020. Il y en a plein auxquels je pense. Je me dis, tiens, ces artistes, je pourrais les ressortir quand on me pose la question. Mais il y en a un, je rabâche, je sais, c'est toujours le même. Je rabâche, c'est encore du piano. Et c'est Chilly Gonzalez. Personne ne le connaît, je ne sais pas pourquoi. Il est un peu connu quand même. Mais il reste... ça reste un artiste de niche. C'est un Canadien. Qui s'appelle Gonzalez, voilà, c'est un pianiste, mais il fait aussi des albums pop, il fait aussi du rap, il fait aussi de l'électro, parce qu'il allait vivre en Allemagne pour découvrir tout ça. Et lui, j'aimerais bien le voir en concert. Je l'ai vu à Senios, le Penon, que vous connaissez bien, c'est lui. À la salle des Bourdaines, qui s'appelle maintenant Le Tube. On était sur des... J'ai invité deux amis à moi. J'aurais dit, ouais, vous allez voir, ça va être cool et tout. Je savais qu'il faisait un petit peu le one-man show, en plus d'être un tueur au piano. Et en plus de son style particulier, il a sorti des albums qui s'appellent Solo Piano, c'est connu, quoi. On entend sur Before Bank aussi la pub. Bon, j'ai fait super mal. Donc on allait le voir en concert et il a dit est-ce que quelqu'un veut monter sur scène et tout. J'ai levé la main et il m'a fait monter sur scène, donc je me suis retrouvé à jouer du piano avec lui. Il s'est foutu de ma tronche tout le morceau, on va dire ça comme ça. C'était très marrant, ouais. C'était très sympa. Il n'y avait que des copains dans la salle et qui ont bien rigolé aussi. Mais là il est passé à Paris, mais c'est quoi, c'est complet à chaque fois, il marche super bien, quoi. Il passe à Biarritz, il passe partout, quoi, dans le monde entier. Et ça me ferait plaisir j'aimerais bien aller le voir. Bon. Allez, maintenant on va parler de ton actualité à toi, Eddy. Alors, est-ce que tu as des dates de prévues pour 2020? Oui, j'ai préparé mon petit carnet. Ah, voilà. J'oublie tout le temps.
Alors oui, j'ai des dates, j'ai une date pour ceux qui sont sur, sur Paris. Je suis vendredi soir à 19h, je fais un showcase pour... Alors le showcase, c'est on joue tout ce qu'il y a sur l'album pour le mettre après en vente, quoi. Et les gens, si ça leur plaît, ils achètent l'album l'EP, quoi. Je suis au Walworth, The Walworth, alors c'est pas facile à dire, comme le titre de la chanson de, des Beatles, The Walworth, et c'est dans quoi, le 11e, le 10e? Je crois que c'est dans le 10e. Ouais, moi, je suis pas sûr, c'est dans le 10e arrondissement, je crois. Et c'est à 19h, et sinon le 11 janvier, donc samedi, je suis au Truskell. Là pareil, je crois que c'est dans le 10e. Le Truskell, et ça commence à 20h. Oui. Avec le groupe de rock dont on n'a toujours pas trouvé le nom. Ben non, bon. Ouais. Ah oui, je suis sur Bordeaux aussi, pardon, au mois de janvier, je serai au... Je me rappelle pas le nom du bar, je suis désolé, quoi. J'ai même pas noté le nom du bar. Je suis... ben vous regardez sur ma page Facebook, je mettrai les événements de toute façon. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et je serai le 17 janvier et le 18 janvier sur Bordeaux, en tout cas. Très bien. À alors, Bordeaux, toute cette actualité, évidemment, on peut... Comment ? Ah non, je croyais que tu parlais. Toute cette actualité, on peut la voir via ton Facebook, donc Eddy Capo. Capo, oui. C-A-P-O, tout court. Voilà, ouais. Vous pouvez pas vous tromper. Michel. Oui. Voilà, et je suppose que c'est toi qui mets à jour tout ton Facebook et tout ça, qui gère ça. Oui, je m'occupe de tout ça aussi. Et en plus de ça, je m'occupe aussi de ma mère, le gars de... Donc, tu vois, c'est tout un... C'est tout un truc. Non, je m'occupe de mon Facebook, de mon YouTube. Je passe beaucoup de temps dessus, même si je préférais passer plus de temps sur la musique. Et donc j'envoie les événements, ouais, à chaque fois. Ouais. Sur Instagram et sur Facebook, ouais. Tout à fait. Alors, l'EP, tu l'as sorti donc en juin 2019, tu as dit, et peut-être en préparation. Si tu devais refaire quelque chose, est-ce que tu ferais un EP ou directement un album la prochaine fois? Oh, je pense que je ferais un EP, t'as raison, c'est une bonne question. Je ferais un EP parce que les autres morceaux commencent à être connus. Si on reste dans la position dans laquelle je suis, oui, je sors un EP. Après, si jamais, donc des nouvelles chansons, après, si jamais, ben, je, Inch'Allah, je deviens un peu plus connu et voilà, quoi, je tombe sur un label ou un truc intéressant, mais je ferai peut-être un album, oui, pour que les gens connaissent mes anciens morceaux et les nouveaux dans le même truc. Je sais pas du tout. Ouais. Alors, tu as dit que tu avais trois nouvelles chansons déjà, que. Qui ne sont pas sur l'EP. Est-ce que tu les as déjà jouées devant du public pour avoir les réactions? Oui, un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que... Tu veux savoir les réactions des gens? Oui. C'est un peu cruel, les réactions des gens. La dernière fois, j'étais à l'international, ça s'est très bien passé. Les gens m'ont dit qu'ils ont aimé ma voix, ils ont aimé, que c'était cool, que les compos sont cool et tout. Le seul problème, c'est que j'ai pas de... Enfin, le seul problème pour eux, pas pour moi, mais c'est que j'ai pas de batterie, j'ai pas de beat derrière moi. Il n'y a pas de... Oui, le son qui envoie, quoi. Oui. Ouais, il n'y a pas de son qui envoie, et ça déstabilise beaucoup les gens, j'ai l'impression, maintenant. Je sais pas si avec tout toute la musique dont ils sont abreuvés quotidiennement... de la techno, de la dance, il y a beaucoup de merde voilà, dans les magasins et trucs. Je sais pas si un mec tout seul avec sa guitare acoustique, ça les intéresse encore. J'espère qu'on revient vers ça. C'est un petit peu, voilà, un petit peu, c'est ma vision, quoi, mais c'est ce que je ressens à chaque fois. J'ai l'impression que peut-être si je me fais une vision, je sais pas, c'est ce que je ressens en tout cas. Mais bon, les gens me disent qu'ils aiment bien mes compos et qu'elles sont particulières, ouais, de toute façon. C'est ce que j'essaie de faire. On en a, pas mal, hein, de chanteurs guitare-voix. Et maintenant, je pense à Valentin, parce que je l'ai devant moi, là, faire l'affiche de Valentin. Il a rajouté, je ne sais pas te dire comment ça s'appelle, mais voilà, il met avec son pied, et ça fait un genre de batterie. Voilà. Et pourtant, il est tout seul sur scène avec la guitare. Et il a acheté un loupé?
c'est un matériel qu'il a. Un looper, peut-être. Voilà. Et ça fait un son de batterie avec. Et c'est vrai que les gens, tu verrais, voilà, ils commencent calmement avec la guitare. Ouais. Il commence calmement avec la guitare et puis après tu vois son pied qui commence à taper et puis ça sort du son. Et là les gens, c'est vrai qu'ils s'excitent un peu plus voilà, d'entendre ce ça, son. Ça te met tout de suite une rythmique, à la chanson, quoi. Donc c'est pas mal. Oui, oui, c'est un comme ça. C'est ça. Tu me dis quoi, Antoine? Un kickbox, ouais. C'est pas un looper, on peut faire aussi avec un... c'est ce qu'on peut faire aussi avec un looper, on peut taper sur la caisse. Et c'est exactement ce que je recherche à éviter, quoi. Il y en a qui font très bien, moi ça m'intéresse pas du tout, ça m'a jamais vraiment intéressé, mais c'est vrai que c'est rassurant, quoi. C'est-à-dire que de suite là tu as les gens avec toi, tu les mets dans un bain et je sais pas, faut croire que j'aime pas la facilité, j'en sais rien, je dis ça comme ça sans quoi que ce soit. Mais moi je fais pas ça, ça m'intéresse pas. J'essaie d'avoir tous les instruments que vous avez entendus sur l'EP, quoi, sur l'orchestré, j'essaie de les avoir dans la main droite, alors c'est pas facile, quoi. Je sais qui est la basse, qui est la batterie, qui est tout ça, quoi. Je sais pas, je suis tombé dans un fantasme des années 70, là, un peu à Neil Young, à cette époque-là, Dylan. Le tout début, quoi, et pour l'instant, j'en démords pas. C'est marrant. Bah écoute, non, mais c'est bien d'avoir ton propre style. Et ça te va bien aussi. Ça te va bien, et puis de pas imiter les uns les autres, voilà, d'avoir son propre style, c'est très très bien aussi. Ouais, comment dire ça, de pas forcément donner aux gens ce qu'ils attendent, voilà. De pas les mettre dans un cocon où ils seraient bien à l'aise, machin, avec le beat, avec le truc, ils sont rassurés, non, ben, je pense que c'est un peu cette idée-là. Bon. Eh bien, écoute, on va suivre, bien sûr, toute cette actualité. Mmh. Et puis, quand tu passeras vers Mont-de-Marsan, tu penseras à nous et venir nous rendre visite. Oui, ça serait avec grand plaisir, c'est une bonne idée. Et je vous jouerai mes nouvelles chansons en direct, si vous voulez. Ah, bah, bien tout sûr. Fait. Là, t'as pas le choix. Si tu viens. Je voulais vous remercier chaudement, les filles. Quand je dis les filles, c'est vous deux. Je mets Anne aussi dedans. Parce que entendre ces chansons à la radio quand on est musicien, c'est pas rien, quoi. Et quand on se dit qu'il y a plein de gens qui vont les entendre, c'est pas rien, quoi. Je voulais vous remercier. Ben merci. Et puis on va te laisser le mot de la fin. Si tu as un petit message à faire passer justement à nos auditrices et auditeurs qui t'ont découvert ce soir. Ben, le mot, ce qui peut me faire le plus plaisir, c'est que les gens qui ont aimé et qui veulent, c'est toujours un peu pareil, quoi, qui ont aimé, qui veulent me découvrir, ben, allez me voir sur internet, quoi, c'est clair. Ça peut aider, c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à faire le bien autour de vous, à être des gens bien et à propager l'amour. Alors. Oui, c'est une belle fin. Sur YouTube, bon, tu as une chaîne YouTube, j'ai vu. Est-ce que tu prévois de faire des clips, Eddy? C'est pareil, c'est un peu la même idée. Là, par exemple, pour le morceau qu'on va entendre, j'imagine le dernier. Oui. S'il y en a, j'ai aucune idée. Disons que j'étais rentré en contact avec un truc sur Paris qui s'appelle Sofar et qui fait des clips live. Bon, mais ils m'ont refusé, donc j'ai rappelé, ils ont refusé encore une fois, je sais pas pourquoi. Et ça m'aurait bien arrangé, mais sinon, non, je sais pas avec qui faire des clips. C'est toujours, il faut toujours un budget, quoi, c'est toujours un peu la même histoire. Oui. Et en plus de pas avoir d'idée, j'ai pas les moyens, et puis je vais faire un truc encore un peu bizarre, et on va voir ce qu'on peut faire. On a tourné un clip cet été, on a tourné deux mêmes avec Antoine, un copain qui nous filmait, et je suis allé au... et Antoine qui m'a mis des micros pour que je joue le morceau en direct, ça fait un très bon clip, c'est très sympa. Vous le lirez sur ma page YouTube si vous n'êtes pas encore allé. Et c'était au jardin du Luxembourg à Paris, voilà. Bien. Eh bien, on va aller fouiller tout ça, donc sur YouTube, Facebook, ouais. Insta. Vous tapez Eddy Capo et vous y arrivez de toute façon directement. Tout à fait. Ouais. Alors, on va finir en beauté. Avec cette toute dernière chanson, Wishes. Ouais.
Alors, elle sera totalement acoustique, là, vous verrez. Oui. Depuis le temps qu'on dit. Alors, elle parle de quoi, cette chanson, Eddie? Ah, c'est gentil, mais tu me demandes en plus pour la bonne. C'est pour la dernière. Oui. Eh bien, elle parle de quoi? Elle parle de, d'une fille avec qui j'étais et qui... et quand tu crois que c'est bon, que ça marche bien, ben, du jour au lendemain, elle te quitte. Mais surtout, cette fille a été importante. Pourquoi? Parce que je lui ai appris beaucoup de choses dans la vie. Je lui ai fait traverser un peu mon monde, en quelque sorte, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a été élevé par des loups, on peut le dire comme ça, et qui avait malheureusement très peu de culture, quoi, et très peu de... qui a vu peu de choses, finalement, quoi. Elle a été un petit peu bridée par, par son père ou par, et par sa mère, enfin, je sais pas comment c'est passé exactement, mais... Et donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là, voilà. On a fait de la musique ensemble, on est tombé amoureux, et l'amour a fait le reste, comme a dit Brassens. Comme des Brassens. Et on a joué ensemble longtemps, et puis après, elle est partie, quoi. Et cette chanson parle de ça, quoi, du fait que ça fait 2 ans et que c'est toujours pas passé. Voilà. Bon. Mmh. Allez, on va l'écouter attentivement, cette chanson. Et nous, Eddie, on va te souhaiter une très, très bonne soirée. Voilà, il y a un petit mot à Morgane qui t'a écrit un petit mot pour finir. On est tous fans de tes chansons, du son, des mélodies. Tout est beau. Bravo. C'est gentil, merci copain. Voilà. Morgane. C'est une fille ou un garçon, Morgane? Morgane, c'est une petite fille de 12 ans. Encore? Oui, c'est la même. Hein. C'est la même. Ah, c'est la même. Oui, oui, voilà. Voilà. D'accord. La petite Morgane. La petite Morgane, ok, d'accord. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un autre prénom tout à l'heure, n'importe quoi. D'accord, mmh. Mais Morgane, on t'embrasse très fort, tu sais. Ça fait la deuxième fois qu'on t'embrasse très fort. Si tu fais de la musique, continue et travaille dur tes compositions. Ça fera la différence. Reste toi-même, comme disait Patrick Sébastien. Comme a dit Louis de Funès à Patrick Sébastien, reste toi-même, ne change pas. C'est ce qu'elle fait, hein. Voilà. Oui. On n'a pas de soucis. Morgane, elle reste la même. Elle a ses propres compositions en plus. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, si elle veut, elle me les envoyer. J'aime bien, écoute, les trucs, elle me les envoie par. Par Facebook, si tu veux. Voilà, mais tu peux aller voir sur YouTube. Oui. Voilà, tu tapes Morgane, je chante, et elle a, on a fait un clip et tout. Il y a tout. Tu iras voir. Allez, je note. C'est noté Morgane, je chante. Je chante. Voilà. Et tu, je chante. Voilà, et tu nous diras ce que tu en penses. Ça marche, oui, avec grand plaisir. Je vous fais encore des gros bisous, les filles. Des gros bisous, Eddie. Et puis, à très bientôt dans le Gers. Très, très bonne soirée. Et puis, nous, on va finir avec cette très belle chanson, Wishes. Oui. Et puis, on va donner rendez-vous à mercredi prochain à nos auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan pour une nouvelle découverte. Bonne soirée, Eddie. Bye, bye. Bonne soirée. Super cool. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. À toutes. Allez, très bonne soirée à nos auditrices et auditeurs. Et puis, mercredi prochain, 18h, 20h, on sera là toutes les deux. C'est ça. À mercredi bonne soirée. Prochain. Bonne soirée. Ciao. One for my place. There's all real things that bring into me a real blue day. Just feel that way you are. It's not going well. Just feel that way so far. Cause deep down we're the same. Trying to get out, but hope's too deep and winding. Something holding you. I
something else you're trying to figure out, but the lungs too deep and tiring, something calling you. I'd like to wish you a lover, a real fairy tale, but I can't see you with another, the one you were hoping. Well, I showed you all this world, the one my stories tell. I told you all these words, the one you ring in sails, but you were lonely, interested by myself. I'd like to get out, but the love was too deep and blinding. Then you run away, girl. Hiding all across the day, I'm coming to find you.
straight from God, a little more insane. I think it's time, my friend, raising yourself again. Put your ego aside and choose to be proud of the gathering truth. Some people say it can just break your chest, but it's deep in the dark side. It takes a life and it makes you pain. C'est ensemble que nous serons mercredi prochain de 18h à 20h sur Radio D'Artagnan. Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte. Je t'emmène où la musique s'enchaîne, où les paroles se rêvent, loin du froid de l'hiver. Radio D'Artagnan, c'est ça.